Ces derniers temps, Nicolas Bedos se montre plutôt discret. Le réalisateur d'OS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire tourne son nouveau film, Mascarade à Nice. C'est justement sur la Côte d'Azur que le cinéaste a foulé un tapis rouge samedi 19 juin 2021, avec sa compagne, Pauline Desmonts. Un festival de cinéma sur la Côte d'Azur, de bon augure à quelques jours du Festival de Cannes qui reprendra ses droits sur la Croisette le 6 juillet prochain, et jusqu'au 11. Du 18 au 20 juin se tient le Festival Cinroman au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice. Hier, le thriller dramatique Boîte Noire, dans les salles en septembre prochain, de Yann Gozlan, et avec Pierre Ninet, Lou Delage et André Dussolier, a été proposé. Cette première a attiré de nombreuses personnalités. Le maire de Nice Christian Estrosi accompagné de son épouse Laura Temuji. Sensuel dans un chemisier transparent laissant apparaître son soutien-gorge. Et Tom Leeb, deux des trois enfants de Michel Leeb. Le fils de Guy Bedos a foulé le tapis rouge du festival Cinroman avec sa compagne, Pauline Desmonts. Ravissante dans une jupe kaki associée à un top blanc asymétrique, la peau hâlée, la jolie blonde a reçu de doux gestes tendres de son partenaire. Cette apparition n'était pas la première du couple. En octobre 2020, l'ex-compagnon de Doria Tillet avait pu compter sur le soutien de sa moitié lors des obsèques de son parrain adoré. Jean-Loup Dabadie. Selon sa page LinkedIn de Pauline Desmonts, la compagne de Nicolas Bedos est directrice des relations extérieures et en charge du développement et lancement du département objets d'art et de collection de Collector Square. La présence de Nicolas Bedos au festival Cinroman n'avait rien d'exceptionnel puisqu'il tourne actuellement dans la ville. Il est aux commandes de Mascarade, une comédie dramatique sur le thème des arnaques, des crimes et des passions. Le casting est exceptionnel, composé de Pierre Ninet, qui l'a fait tourner dans OS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, en salle le 4 août, Isabelle Adjani, Emmanuel DeVos, Laura Morante.